Salut les Moudoïnes, j'espère que vous allez bien, c'est Ben Moudo et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième entretien martial. Alors avant de le diffuser, je tiens un petit peu à rappeler le contexte, c'était à l'occasion du séminaire de Son Mudo organisé par l'école de Son Mudo de Strasbourg chez mon pote Théo. C'était à la fin du stage, cette interview, on n'était pas sûr de pouvoir la faire et Théo m'a dit « Ok, vas-y, mais tu peux poser que très peu de questions, il faut faire très vite. » Ce qui fait que quand on s'est mis en place à la fin de cette journée où on était en pleine canicule, on a oublié de tenir le micro en main, comme je suis en train de le faire, ce qui change beaucoup la qualité du son puisqu'on entend beaucoup le son ambiant. Donc je vais aussi sous-titrer mes questions, histoire qu'on puisse comprendre ce que je dis correctement. Et ça explique aussi le fait que je sois en train de vous faire une intro là, parce qu'on avait oublié de faire une intro ainsi qu'une outro à la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et à très vite. Merci. Bonjour et merci beaucoup d'accepter, c'est vraiment très gentil. Merci Mila. Alors est-ce que vous pouvez présenter le Son Mudo avec vos mots? Son Mudo는 불교의 아나파나사티 명상과 한국 불교의 승군들의 무예가 접목이 되어서 오늘날 Son Mudo가 되었습니다. 우리 그 한국은 한국 불교는 특별한 역사를 가지고 있는데 우리나라는 지정학적으로 중국과 몽골, 일본에 살려 있어서 천년 전부터 수많은 침략을 당해왔습니다. 그때마다 한국 불교의 스님들이 군대를 조직해서 관군들과 함께 이 땅을, 그러니까 나라와 국민을 지켰습니다. 1500년 동안 한국 불교 역사와 함께한 이 승군들의 무예가 전승이 되어서 불교 본래의 아나파나사티 명상과 접목이 되어서 오늘날의 선무도가 된 것입니다. Vous avez choisi d'ouvrir le Son Mudo à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas bouddhistes. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir le Son Mudo à tout le monde? 35년 전까지는 오직 사찰에서 스님들만 수행을 했는데 내가 이 선무도를 세속 사람들에게 포교함으로써 현대인들의 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는 모티브를 제공하기 위해서 포교를 했습니다. 선무도의 명상과 요가, 치공, 마샬아트 같은 다양한 수련법들은 현대인들에게 몸과 마음의 건강을 찾아주고 행복한 삶을 살 수 있는 모티브가 됩니다. 선무도는 태권도나 합기도처럼 일반 세속의 마샬아트와 달리 이런 내공을 수련하는 그러한 수련법들이 많이 있기 때문에 현대인들의 남녀노소를 불문하고 모두가 함께 수행할 수 있는 좋은 수련법입니다. Le temple, qui est un peu la maison mère du taekwondo, Golbulsa. Est ouvert à tous, tout le monde peut venir. Golbulsa는 30년 전부터 템플스테이를 통해서 전 세계 사람들이 많이 와서 한국 문화와 불교 수행법을 체험하고 갑니다. 1년에 약 3만 명 정도가 템플스테이를 하고 그 중에 외국 사람이 7천 명 정도 됩니다. C'est bon pour moi, merci beaucoup. 네, 고맙습니다. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je répondrai évidemment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.